Ça n'en sait rien. Pourquoi diable ne demandez-vous pas à ces femmes, au lieu d'incessamment se crier gare, comment dire? Je vous demande mille pardons. À mon âge, il n'y a pas grand mal à être un peu fait, ma mille naturelle en mienne, tenir à ses habitudes. La visite de monsieur votre oncle m'a fait manquer ma méridienne et je m'étais tout à l'heure un peu assoupi, s'il faut te dire. Mais que voulez-vous à Blanche? Roger de Damas, qui sort d'ici, adorez-vous ces chemins de foi pour ne pas s'en de grève. La prime, lorsque le vin est à dessous, on doit bien s'entendre à ce que le printemps échauffe un peu les têtes, tout cela passera. Si j'osais me permettre en votre présence de faire le mauvais plaisant, je répondrai qu'en ce qui concerne le carrosse de ma sœur, vous risquez de n'être pas trop en profite. Damas, la vie arrêtée par la foule au carrefour Bissi. Le carrosse, la foule, pardonnez-moi, ce sont là des images qui ont trop souvent diminué. On parle volontiers aujourd'hui de mettre en même de révolution, mais qui n'a pas vu la multitude en panique n'a rien vu. Tous ces visages à la bouche tordue, ces milliers et ces milliers d'yeux, c'était le soir du mariage du dauphin. Le plus tardifice commence, mais soudaine caisse du désir s'enflamme. Voilà la panique qui s'empare de la foule. Votre mère pousse le verrou de son carrosse. Le cocher pointe le chevaux qui s'emballe. On arrête le carrosse et le vitre vole en éclat. Surviennent à toi pour dégager le carrosse. Quelques heures plus tard, revenu en cet hôtel, votre mère mourut en donnant le Blanche. Monsieur, pardonnez-moi, j'aurais dû me douter. Une fois de plus, j'ai parlé comme un étourdi. Ah, c'est ma vieille tête qui s'échauffe, elle aussi un peu. Mon carrosse est solide, les vieux chevaux ne s'étonnent de rien. Antoine nous sert depuis 20 ans, il ne peut arriver à votre sœur rien de fâcheux. Oh, ce n'est pas pour sa sécurité que je crains, vous le savez, mais pour son imagination malade. Blanche n'est que trop impressionnable, en effet. Un bon mariage arrangera tout cela. Allons, allons, une jolie fille a bien le droit d'être un peu craintive.
Patience! Vous aurez de neveux qui feront les 100 000 diables. Croyez-moi, ce qui met la santé des Blanches en péril, ou peut-être sa vie, ne saurait être seulement la crainte. Vous parlez comme un vilain soir superstitieux. Blanche me paraît le plus souvent naturel et parfois même enjoué. Dans un moment, vous rirez de vos angoisses et elle oubliera les siennes. Vous voulez dire qu'elle aura été une fois de plus quittée pour la peur, quittée pour la peur. Quand il s'agit de Blanche, le rapprochement de ces deux mots fait frémir. Une fille si noble, si fière, le mal est entré en elle comme le verre dans les fruits. Enfantillage. Blanche, votre frère avait grande hâte de vous revoir. Monsieur le chevalier est trop beau pour son petit lièvre. Ne répétez pas à tout propos une plaisanterie qui n'a de sens que pour nous deux. Les lièvres n'ont pas l'habitude d'y passer. Permission, mon père.
Je vais prendre peu de repos avant le soupir. L'imagination va toujours d'un extrême à l'autre. Que signifie ce dernier trait? Je n'en sais rien, qu'importe. Ce sont regard et sa voix qui vont à